super-héros, une histoire politique, en effet, parce que quand on regarde un peu l'histoire des comics, hein, donc ces fascicules de bande dessinée qui ont été créés dans les années 30 et tout, et qui ont développé très rapidement donc, ces personnages un peu foisonnants, voilà, un peu truculents des super-héros, eh bien on s'aperçoit que dès le début, en fait, il y a un propos politique très fort chez les super-héros. Pour simplifier, parce que les super-héros ont 80 ans, les discours politiques sont très nombreux. Pour simplifier, en fait, quand les super-héros sont créés au début, notamment quelqu'un, un super-héros emblématique qui est Superman, hein, donc qui apparaît en juin 1938, eh bien, les super-héros représentent dans les années 30 l'espoir dans un futur meilleur. L'espoir de la modernité qui, grâce à la science, grâce à la technologie, grâce à la démocratie, va amener un futur meilleur. Et d'ailleurs, Superman, c'est l'homme de demain, hein, c'est son surnom, The Man of Tomorrow. Hein. Et donc, les auteurs qui créent Superman, hein, Joe Shuster et Jerry Siegel, veulent quelque part incarner cet espoir, en fait, dans un futur meilleur, qui est un espoir progressiste. Hein, hein, l'idée que le futur va amener forcément un mieux. Et quand des gens comme ça créent un super-héros comme Superman, ce n'est pas un hasard. C'est un propos qui est évidemment très fort parce que ce sont des fils de migrants juifs, hein, donc c'est la seconde génération d'immigration, hein, et ils viennent de milieux très modestes, ils sont très influencés par le discours rooseveltien du New Deal, et évidemment ils ont peur du fascisme, ils ont peur du totalitarisme qui monte, et donc, quelque part, ils incarnent leur peur, mais aussi leur espoir, en fait, dans Superman. Wonder Woman, hein, qui apparaît en 1941, hein, qui est créé par William Moulton Marston, c'est la même chose, hein, donc, même si c'est une Amazone, hein, mais en fait c'est l'île d'où elle vient, c'est une île qui est une société très avancée technologiquement, et donc elle vient en fait aux États-Unis pour ramener justement un futur meilleur, avec en plus l'aspect très important de Wonder Woman dès le début, un aspect féministe très fort. Alors attention, par contre, ça ne veut pas dire que les super-héros ont tous été progressistes. Hein. Les super-héros, encore une fois, il y a 80 ans d'histoire. Il y a des centaines d'auteurs qui sont emparés de ce type de personnages. Et donc, il y en a qui vont plutôt créer des versions plus réactionnaires et tout. Mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une espèce de fil rouge, hein, chez les super-héros. Il y a vraiment l'idée d'un rapport avec le futur. Hein. Et quelque part, l'inverse des super-héros, ce sont les super-vilains. Hein, c'est le terme consacré. Et on s'aperçoit que dès le début, beaucoup de super-vilains habitent dans des châteaux médiévaux, par exemple. Hein. Et donc, représentent quelque part, ça c'est ma formation d'historien médiéviste, hein, qui parle, hein, mais ils représentent quelque part une version fantasmée du Moyen-Âge, mais une version négative. Hein. Donc, c'est le château du féodalisme, le château de la torture, du donjon, voilà. Donc, évidemment, c'est des fantasmes, tout ça, hein, qui ont été créés à l'époque moderne. Mais on voit qu'en fait, il y a vraiment une espèce de dualité entre, d'un côté, des super-héros qui incarnent le futur, et de l'autre, des super-vilains qui incarnent le passé, avec évidemment l'idée, d'ailleurs, que vu que les super-héros vivent aux États-Unis, hein, l'idée de dire que l'Amérique est la nation qui va amener à ce futur meilleur. Voilà. Avec en plus une autre nuance, c'est qu'il va y avoir des super-héros qui vont reprendre une imagerie chevaleresque, comme Batman, ou comme Captain America, hein, donc Batman, dès le début, il appelait le Chevalier Noir. Hein. Alors pourquoi? Alors là, c'est un autre usage, en fait, hein, du Moyen-Âge. Mais en fait, Batman, il est appelé le Chevalier Noir parce que il est censé combattre le crime de la ville de Gotham City. Hein. D'ailleurs, Gotham, hein, c'est la ville gothique, en fait. Hein, même si Gotham, c'est un des surnoms de New York, en fait, mais c'est aussi la ville gothique. Et donc, les criminels dans l'imagerie populaire, même en France au XIXe siècle, sont associés à des barbares du Moyen-Âge. Et donc, pour les combattre, il faut un chevalier. Voilà. Donc, d'où l'imagerie chevaleresque de Batman. Alors, attention, encore une fois, c'est une imagerie qui fluctue. Dans les années 60, Batman, c'est plus du tout le Chevalier Noir, c'est plutôt un héros en couleur qui, en fait, quand on regarde bien, il y a une imagerie très kitsch, très camp, en fait, de Batman. Et en fait, quand on regarde bien, en fait, c'est presque un héros gay-friendly. Il y a pas mal d'analyses, hein, qui montrent bien que Batman, il y a une espèce de sous-texte LGBT dans Batman. Donc, c'est très intéressant, encore une fois, quand on regarde le discours politique des super-héros, c'est foisonnant, c'est énorme, en fait, et il y a plein de choses à dire. Voilà, moi, j'ai fait un petit chapitre aussi, par exemple, sur les super-héros, le baseball, hein, ça a l'air comme ça un peu anodin, mais en fait,
fait, on se rend compte que non seulement les super-héros, c'est un genre très politique, mais en plus le baseball, un sport très populaire aux États-Unis, d'autant plus dans les années 30-40, voilà, donc, qui est vraiment le grand sport américain à l'époque, hein, peut-être un peu moins aujourd'hui et encore, mais il y a vraiment un propos politique dans ce sport-là. Et donc les deux choses se croisent en fait, hein, et ça c'est assez intéressant.